obstacles dans ta vie. Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Qu'est-ce que je prêche à quelqu'un?
via les audios, l'audio plutôt. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Amen. S'il te plaît, ouvre ton micro, ouvre ton micro. Nous sommes juste au début, ne me filtre pas. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous bénissons Dieu pour ces moments. Nous bénissons Dieu pour son serviteur, le prophète Asaph. Comme je le disais hier, un frère qui est en train de devenir un frère des sangs, il est en train de quitter même dans l'alliance pour entrer vraiment dans le sang. Et on a même beaucoup de cheveux ensemble, on commence à se ressembler. J'ai béni Dieu pour ta vie, j'ai béni Dieu pour Ides Ministry, j'ai béni le Seigneur pour tout son peuple qui est là, j'ai béni Dieu pour la présence de tous les amis qui vont nous suivre après ces moments, ceux qui vont nous suivre sur Facebook, ceux qui vont nous suivre, je ne sais pas, sur d'autres zones, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le prophète Mimchak, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur, titulaire de Mercy International Ministry, la maison de miséricorde au Sénégal, à Dakar, et très bientôt partout dans le monde et sur toutes les planètes, s'il y a la possibilité. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais te demander une chose. Est-ce que tu peux inviter deux personnes rapidement? Alors que je suis en train de voir les gens monter, tu me permets de pouvoir commencer. Alors que je vois, nous sommes à 22. Si ça arrive à 23, j'ai béni une personne. À 24, j'ai béni une autre. À 25, j'ai béni 5 personnes. À 26, même si ça part jusqu'à 1000 ce soir, je sens que Dieu va nous faire énormément du bien. La sagesse divine sera parmi nous et la puissance de Dieu va opérer au milieu de nous. Nous sommes au deuxième jour de notre intervention et ce que j'aime, c'est que le Seigneur fait toujours au-delà de ce qu'il a fait hier. Est-ce que tu peux, fais-moi plaisir s'il te plaît, d'inviter quelqu'un, d'inviter au moins deux personnes et tu ouvres ta caméra, tu t'assois quelque part de très bien. Et tu me prêtes juste tes oreilles, donne-moi juste cette envie de te bénir. Donne-moi juste cette envie de te communiquer la pensée de Dieu. Donne-moi juste cette envie de booster ta foi, afin que ta vision devienne une vision qui va transformer le monde. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Voilà. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si tu dis Amen, il ne faut pas faire semblant. Si ici, on suspend les gens parce que tu as ouvert ton micro pour dire Amen, accepte qu'on te suspend. Et que l'homme de Dieu puisse entendre d'abord ton Amen. Vous savez, le mot Amen veut tout simple. Oh my God, la personne qui vient d'inviter, que Dieu ouvre les portes financières qui étaient hermétiquement fermées dans ta vie au nom suprême de Jésus. Parce que j'ai Amen. Vu... 23 personnes, donc la 23e qui vient de s'ajouter tout à l'heure, que la puissance du Tout-Puissant enlève ta famille de la pauvreté afin de t'amener dans les hauteurs au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous allons prier. Alors que nous serons en train de s'ajouter, je vais couper pour bénir spécialement les personnes qui sont en train d'inviter. Même si je suis déjà au milieu de ma prédication, je serai en train de m'arrêter pour bénir spécialement les personnes qui seront en train d'inviter. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ces plateformes qui nous réussissent. Merci pour ton serviteur. Ô sagesse divine, ô la parole de Dieu, ô la créatrice, ô toi le Dieu des esprits des prophètes, je crie à toi, viens nous parler. Laisse que ta parole, qui change les cours de l'histoire, qu'elle vienne vers nous, afin de transformer radicalement la vie de quelqu'un. Ô toi le Dieu qui écoute les prières, toutes les nations viendront vers toi. Il est écrit,
dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les envoya sa parole. Et ta parole vient pour guérir, consoler, transformer. Père, je prie que ta parole vienne nous faire du bien. Au nom suprême du Seigneur Jésus, nous avons prié, rendu grâce et nous disons Amen. 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 J'ai vu au moins 4 personnes qui viennent de s'ajouter. Je déclare au nom suprême de Jésus pour la personne qui a invité la 26e personne que la maladie quitte ta famille et que Dieu t'accorde la guérison divine. Je ne parle pas de la santé d'abord, je parle de la guérison divine. Là où il y avait la maladie, une guérison s'installe aujourd'hui au nom de Jésus. La personne qui a invité la 27e personne, je prie que les portes s'ouvrent devant toi et que tous les problèmes que tu avais avec l'administration puissent être réglés au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous allons entrer dans notre message. Permettez-moi encore aujourd'hui de continuer avec cette pensée que je vous ai donnée depuis hier. Nous sommes en train de parler d'une église glorieuse, une église émergente. Alléluia. Et depuis hier, on a commencé à parler des développement de l'attitude du royaume. Amen. Est-ce qu'on peut juste baisser un peu les sons? Juste un peu. Juste un peu. Juste un peu. On baisse encore juste un peu. Voilà. Et donc, j'aimerais avoir même 3 ou 2 personnes qui seront en train de dire Amen. Comme ça, ça me prouvera que nous sommes vraiment dans une salle. Alléluia. So, Amen. Hier, j'étais en train de parler, par la grâce de Dieu, on a parlé d'un sous-thème à l'intérieur de mon sous-thème qui était « Développer l'attitude du royaume ». Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons enfin entrer dans notre test que je serai en train de scinder durant tous ces 6 jours, 7 jours. Et je sais que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Alors, je suis dans le livre de Jean. Si une personne peut lire pour nous le livre de Jean, le chapitre 3. Jean, chapitre 3. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour mon frère qui est là. Merci, Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Oui. Jean chapitre 3, à partir du verset 22. Je pense que ça sera mieux que nous commençons par le verset 21. Jean chapitre 3, à partir du verset 21. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui vient d'arriver seulement aujourd'hui, il s'est dit, mais c'est court homme ici, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est calme comme ça. T'inquiète pas, dans quelques minutes, il y a quelque chose qui va se passer dans la maison. Jean chapitre 3, à partir du verset 21. Quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît? Jean chapitre 3, verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées par qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de sa ville, parce qu'il avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu le témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ,
mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croie et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui vient de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui prend... On peut s'arrêter là. Le Père aime le Fils et... Le Père aime le Fils, toutes choses entre ses mains. Frères et sœurs, j'aimerais ici commencer l'intervention d'aujourd'hui en nous disant ceci. Que dans cet royaume, dans notre royaume, il est vraiment impossible et il est très difficile que tu puisses réussir si tu n'as pas l'attitude du royaume. Alléluia. Il est très difficile d'avoir la réussite. Il est très difficile d'avoir les succès si tu n'as pas l'attitude du royaume. Alléluia. J'aimerais ici parler à un frère, à une sœur, à qui Dieu a donné des promesses depuis un certain temps. Depuis un moment, tu es à l'église, les prophètes ont toujours parlé de toi. Depuis un certain moment, tu es en train d'essayer des choses et que les choses n'arrivent pas à aller de l'avant. J'aimerais t'exhorter et te proposer. Essaye un peu de rentrer en toi-même. Peut-être ton attitude n'est pas bonne. Alléluia. Peut-être ton attitude n'est pas bonne. Hier, j'étais en train de nous exhorter. J'étais en train de dire qu'il est très important que nous puissions développer l'attitude du royaume. Mais aujourd'hui, j'aimerais donner quelques attitudes du royaume. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais je vais donner juste quelques-uns. Et je crois que nous allons continuer. Et je sais que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire ceci. C'est que tu peux dire à quelqu'un, avec une bonne volonté, avec un bon cœur, tu dis à une personne que Dieu te bénisse. Mais la personne l'entend mal et la personne soit irritée contre toi. Alléluia. Amen. Tu peux avoir dit quelque chose que tu penses que c'est bon, alors que lorsque cette chose tombe dans les oreilles de quelqu'un, la personne se sent blessée. C'était hier, j'étais en train de dire ici que la même prédication que le prophète Meshach peut prêcher peut ne pas toucher quelqu'un. Et la même prédication, le prophète Asaph peut revenir, prêcher la même chose, même Bible et même verset biblique. Et ces messages-là commencent à faire pleurer les hommes. Ou est-ce qu'il y a eu des défauts? C'était au niveau de l'attitude. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire une chose. C'est que l'une des choses qui nous permet de réussir dans nos challenges, qui nous permet de réussir dans cette vie, dans notre royaume, c'est la qualité de notre attitude par rapport à ce qui se passe autour de nous. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire ici hier que je connais des hommes de Dieu très intelligents, très riches, très sages, très loin, plus que moi, plus que nous. Mais ils n'arrivent pas à stabiliser certaines choses dans l'église ou encore dans les ministères. Pourquoi? Juste à cause de l'attitude. J'aimerais encore demander à quelqu'un, si tu passes par des moments difficiles, mais tu as des promesses de Dieu dans ta vie et que tu remarques que rien ne marche, essaye un peu de changer ton attitude. Rentre en toi-même et change ton attitude. J'aimerais aussi parler à quelqu'un qui a
des projets, une personne qui a des idées, une personne qui est en train de développer une certaine façon de voir et de faire des choses. Mais tu as remarqué que rien ne marche, rien ne va de l'avant. J'aimerais te dire ce soir, s'il te plaît, essaye un peu de changer ton attitude. Notre thème est de la vision à la transformation globale. L'une des choses qui va te permettre à ce que ta vision arrive à la transformation globale, c'est lorsque tu as la capacité de revenir, un peu en toi-même. Lorsque tu te dis que les choses ne marchent pas, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas trop bien en moi. Dans notre royaume, l'attitude que nous devons développer, c'est une attitude de champion. Un champion, ce n'est pas celui qui gagne à tout moment. Mais un champion, c'est celui qui ne se laisse pas battu ou n'accepte pas de rester à terre après l'échec. Peut-être que tu es ici, tu as essayé plus de 1001 fois. Tu n'as pas réussi. J'aimerais te dire tout simplement, change ton attitude. La quatrième des choses que j'aimerais dire, je suis en train d'entrer dans mon message, c'est que, vous savez, très souvent, les gens ne sont pas trop méchants. Très souvent, les gens ne sont pas très mal. Mais souvent, c'est juste que les gens sont mal compris à cause de l'attitude qu'ils portent par rapport à certaines choses. Et donc, je parle à Sœur Zoé, je parle à Iwangu. Je vous demande, et les autres, je vais citer aussi votre nom, bon, Elise, je vous demande d'essayer un peu de revenir en vous. Enfin, n'est-ce pas, d'arriver à la dimension que votre vision puisse devenir une vision mondiale, puisse devenir une vision globale, puisse transformer les choses de ta vie. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire du maître. Un jour, le maître, après que Jean ait parlé de lui, le maître s'est mis à baptiser. Et la Bible dit que les disciples de Jean, qui étaient là en train de discuter avec certaines personnes, en ce qui concernait la purification, la Bible dit qu'ils sont partis voir Jean. Et lorsqu'ils arrivent, il dit à Jean que, Rabbi, il y a quelqu'un, une personne que tu as mise sous les projecteurs, une personne à qui tu as fait du bien, une personne que tu as, n'est-ce pas, donné la chance d'être connue, si je peux le dire ainsi, qui aussi est en train de baptiser les gens. J'aime l'attitude de cet homme appelé Jean. Lorsque les gens viennent lui parler de ça, Jean prend l'attitude du royaume. Jean dit ceci. Il faut que cette personne-là croisse et que moi, je diminue. Premier point pour comment développer l'attitude du royaume, c'est d'accepter la particularité de chacun des personnes dans le royaume. Ceux qui écrivent, ça sera une bonne chose. La première clé pour développer l'attitude du royaume est d'accepter la particularité de chaque personne autour de toi. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire ici, si tu veux que ta vision puisse impacter le monde, si tu veux que ta vision puisse transformer les nations, si tu veux que la vision que tu as puisse transformer ton école, ta famille, ta maison, ton église, apprends à accepter la particularité de chaque personne dans ta vie. Même la personne qui t'a insulté, même la personne qui t'a fait du mal. L'attitude du royaume, ce n'est pas de répondre brusquement, avec précipitation, parce que ça te fait perdre de personnes de ton destin, de personnes de destinée. Il y a des personnes, par manque d'attitude,
Ils ont mal répondu aux personnes qui devaient les marier. Ils ont mal répondu aux femmes qui devaient être leurs femmes. Ils ont mal répondu aux pasteurs qui devaient devenir leur père spirituel, leur fille, ou encore leur personne qui devait les engendrer spirituellement à cause de l'attitude. Et vous savez, très souvent, surtout chez nous en Afrique, nous avons cette habitude de ne pas se mettre à la place de quelqu'un. Quelqu'un te pose une question, est-ce que je peux boire de l'eau? Tu lui réponds, non, cette bouteille, je l'ai payée pour toi, tu peux venir et boire. Pour toi, tu n'as rien dit de mal. Pour toi, tu te dis que c'est une façon de répondre. Alors que cette façon de répondre peut briser le cœur de quelqu'un. Et la personne peut se mettre à penser, oh, c'est parce qu'elle, elle a une bouteille d'eau qu'elle me répond comme ça. En Afrique, très souvent, on se dit, quelqu'un est en train de regarder la télé, c'est toi, tu arrives, tu prends la télécommande, tu changes de chaîne comme tu veux. La personne, avec l'attitude qui est en lui, il peut se dire que non, bon, peut-être c'est parce que je suis chez lui. Et il s'en fout de moi. Voilà pourquoi je nous exhorte, frères et sœurs. Dans ces royaumes, il faut faire très attention avec les attitudes. Et vous savez, l'une des choses qui me fait un peu du bien avec l'attitude, c'est que tu peux avoir une mauvaise attitude, mais tu penses que tu as des bonnes attitudes. Pourtant, tu peux te dire que non, j'ai rien fait de mal. En fait, l'attitude, c'est comme je disais l'autre fois, c'est comme les lunettes qui te permettent de sonder ce qui est à l'intérieur. L'attitude, c'est comme, comment je peux dire, comme un miroir qui montre en fait l'impact de la chose que tu as entendue. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire ici, je connais des personnes avec qui j'ai marché. Rien n'est marché dans leur vie. Et un jour, je les ai dit, essayez un peu de changer l'attitude. Adoptez l'attitude du royaume. Si je les avais consultés, je pouvais citer leur nom. Mais vu que je ne les ai pas parlé de ça, je préfère taire leur nom. Et lorsqu'ils ont changé leurs attitudes, ils ont commencé à voir la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire très souvent, la manifestation et la gloire de Dieu dans notre vie est bloquée par notre attitude. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu développe l'attitude du royaume, tu développes ou encore tu montes en altitude avec Dieu. L'attitude du royaume te permet de monter en altitude avec Dieu. Parce que les Français disent que ton attitude déterminera ton altitude. Imagine que tu as l'attitude du royaume et quelle sera ton altitude dans la vie réelle? Imagine que tu développes l'attitude du royaume dans ton travail. Est-ce que je peux prêcher maintenant? J'ai envie de prêcher maintenant. Come on. Lorsque tu développes l'attitude du royaume dans ton entourage, ton altitude aussi change. J'aimerais dire à quelqu'un, je répète, c'est que le monde dit, l'attitude détermine l'altitude. Lorsque ton attitude, elle est bonne, ton altitude, elle est à la hauteur. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es un aigle, ne cherche pas à vivre comme les corbeaux. Une fois, j'étais en train de dire que le seul oiseau qui a la capacité de distordre ou encore de déranger l'aigle, il s'appelle corbeau. Et lorsque les corbeaux dérangent l'aigle, l'aigle ne se bat pas avec les corbeaux. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire, quelle que soit l'attitude des gens, ne réponds plus. Ça, c'est l'attitude du royaume. L'attitude du royaume, c'est lorsqu'on t'insulte, tu regardes la personne, tu dis paix et grâce. L'attitude du royaume, c'est lorsqu'on te fait du mal, tu dis je te pardonne. Ça, c'est l'attitude du royaume. Pourquoi? Parce que prophète Azaf, si on trouve les canards et les poules en train de se battre et que toi, tu es un aigle, on te trouve parmi eux, on dira que le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas les canards ou les poules. On dira le problème, c'est toi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'un aigle va chercher là où il y a les canards et les poules? Amen. Si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, fais ça. Come on.
Le seul oiseau qui a la capacité de déranger l'aigle, il s'appelle corbeau. Et lorsque le corbeau est en train de déranger l'aigle, l'aigle ne se bat pas avec le corbeau. C'est l'attitude du royaume. C'est l'attitude du Christ. C'est l'attitude de notre royaume. La Bible déclare que lorsque Jésus était en train de parler, dans la nuit, Nicodème est venu le chercher. Nicodème dit que nous savons que tu es un vrai docteur. Et vous savez qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a changé l'attitude et il est monté en altitude. Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Attitude. Nicodème est perdu. Pourquoi? Parce que l'attitude de Jésus déterminait l'altitude dans laquelle il était. Nicodème maintenant lui pose la question, comment je peux naître de nouveau? Il faut que je rentre dans les ventres de ma mère. Ça prouve que Jésus était déjà dans l'altitude comme un aigle. Lorsque le corbeau est en train de déranger l'aigle, l'aigle change seulement d'atmosphère. Il amène le corbeau dans une atmosphère où il n'y a que l'aigle qui peut voler. Et dans cette atmosphère, le corbeau n'a plus d'oxygène. Voilà pourquoi lorsque vous êtes en train de passer par des zones de turbulence dans l'avion, on vous demande de mettre l'oxygène. Parce qu'il y a des atmosphères dans lesquelles l'oxygène humain s'arrête. Il n'y a que l'aigle qui a la capacité de vivre dans cette étendue-là. Et qu'est-ce qui se passe? L'aigle part avec les corbeaux jusque dans cette altitude. Et de là, il relâche les corbeaux. Pourquoi? Parce que si je me bats avec toi, tu vas me déranger. Les gens vont dire que je suis méchant parce que je suis quelqu'un qui peut aller à la hauteur, mais je me suis rabaissé jusqu'à toi. Mais si je montre que tu es en train de me combattre, il arrivera un certain niveau où ton oxygène va finir. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, change l'attitude et ton altitude va changer. Et les personnes qui sont en train de te chercher les problèmes, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus d'oxygène. My God, my God, my God, my God. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Change l'attitude. Arrive dans une dimension où ton attitude commence à déterminer ton altitude. Lorsque les personnes te dérangent, ils t'insultent, tu les dis, je suis de la classe d'Abia. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas une personne que tu peux voir comme n'importe qui. Je suis une personne qui marche dans les hauteurs. Je suis un aigle. La Bible déclare que ceux qui se confient à l'Éternel prennent leur vol comme les aigles. On ne dit pas qu'ils commencent par marcher. On dit qu'ils prennent d'abord leur vol comme les aigles. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, lorsque tu as une idée, tu as une vision, que tu veux que ça puisse transformer le monde, change d'abord ta mentalité, change d'abord ton attitude et monte dans l'altitude. Arrive dans une dimension où tu ne te regardes plus comme n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un mystère qui est caché en Jésus. Et par l'eau, Satan, ce soir, tu es en train de sortir de ce cocon qui t'a fermé depuis longtemps. Comment? Change l'attitude. Est-ce que quelqu'un peut écrire « change l'attitude » ? Change l'attitude. Et changement d'attitude. Changement d'attitude. Ton attitude détermine ton altitude. C'est quoi ton attitude lorsqu'on parle du Seigneur ? Il y a des personnes qui ont une attitude qui ne permet même pas aux hommes de Dieu de prophétiser sur leur vie. Surtout les prophètes, nous souffrons. Tu es en train de parler à quelqu'un, elle te répond comme si tu étais son ami. Écoute-moi très bien, là je commence à parler comme un gardien. Même si tu es ma grande sœur, même si tu es ma mère, tu es mon père, tu es en train de me suivre ici. J'aimerais te dire deux choses. Premièrement, dans mon office prophétique, je ne suis pas ton ami. Et si je te parle de quelque chose, ce n'est pas parce que j'ai bu de l'eau, je suis rassasié. Ce n'est pas parce que j'ai mangé, mais c'est parce que je suis entré dans les conseils de Dieu. Alors ne pense pas que quelqu'un qui entre dans les conseils de Dieu, il est ton ami. Non, même si nous sommes amis, même si on a l'habitude de rire, lorsque ton attitude montre comme si je suis ton ami dans la présence de Dieu, ça ne fait rien. Voilà pourquoi la Bible déclare, Jésus arrive chez eux. Dans leur village, les personnes qui étaient là avaient l'attitude des villageois, l'attitude des personnes qui ne comprenaient pas le ministère. Et la Bible déclare que Jésus n'a rien fait. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, si tu veux que ton ministère, si tu veux que ta vision soit respectée et que ça puisse transformer les nations, tu dois avoir l'attitude d'un champion. Tu dois avoir l'attitude d'un vainqueur. Tu dois avoir l'attitude d'un homme qui a la capacité de changer les choses dans sa génération. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas les vêtements que tu portes. Ne regarde pas les téléphones que tu as. Regarde l'onction qui est sur ta vie.
Regarde à Dieu qui t'a appelé et commence à penser comme un champion. Parce que la Bible déclare, j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur n'est pas ton ami. Si tu es avec moi, dis yes. Il y a des personnes qui atterrissent des malédictions juste comme ça. En lingala, on dit malédiction ya ofélé. Ça veut tout simplement dire la malédiction sans prix. À cause de leur attitude. Il y a des personnes qui ont raté leur saison à cause de l'attitude. Frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose. De la vision à la transformation globale. Comment ça se passe? Ça se passe que tu reçois la vision, tu crées, tu formes ta vision. Et lorsque ta vision doit transformer les vies, lorsque ta vision doit entrer dans l'accomplissement, il y a deux choses qu'il faut faire. Premièrement, change tes attitudes. Deuxièmement, développe l'attitude du royaume. Premier point, attitude du royaume, c'est l'attitude de l'humilité. Et après moi, l'humilité. Et après moi, humilité. Humilité. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi humilité? Olivia, que Dieu te bénisse. Humilité. Olivia, que Dieu te bénisse. C'est ce que j'étais en train de dire. Amen. Olivia a peur de dire amen. Je disais que Dieu te bénisse, Olivia. Sur ton trône, fais comme tu veux. Mais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Prophète, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, les gens vont se fâcher contre moi parce que je commence à porter la casquette de quelqu'un de bizarre, comme tu me connais. Je sens que les gens vont se fâcher contre moi. Je vous signale déjà, si vous vous fâchez contre moi, ce n'est pas mon problème, venez me taper. D'ailleurs, je suis déjà court, je suis court comme ça, donc tu peux me taper facilement. Prépare-toi déjà à venir me taper. L'humilité. Vous savez, il y a des personnes qui nous mentent avec des attitudes des hommes humbles alors qu'en réalité, ils sont orgueilleux. Michael. Il y a des personnes qui te montrent, non, moi je suis humble. Non. Alors qu'en réalité, même dans son humilité, c'est l'orgueil qui se manifeste. J'ai parlé avec un fils. Il me dit, Daddy, moi tel que je suis là, je suis humble. Je suis ceci. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, tu es orgueilleux. L'humilité n'est pas définie par les porteurs de l'humilité, mais par des personnes qui vivent à côté de la personne qui prétend avoir l'humilité. Tu ne dis pas que tu es humble. On remarque que tu es humble. Jésus n'a pas dit que non, je me suis humilié, non. C'est dans les évangiles qu'on est en train de dire qu'il s'est humilié. D'ailleurs, Jésus lui-même, la manière de vivre, c'est quelqu'un qui ne comprenait pas, il va dire que ce type, c'est un orgueilleux. L'orgueil, ce n'est pas accepter ce qu'on est. Orgueil, c'est l'effet, is the effect to fake what you are not. C'est l'effet de prétendre être quelque chose que tu n'es pas. Tu n'es pas. Et il y a des personnes qui sont comme ça. Il te montre comme s'il est humble, alors qu'en réalité, il est orgueilleux. Il n'est pas humble. Il y a des personnes qui ont l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Lui, il se croit qu'il peut donner des leçons à tout le monde. Il se croit qu'il a la capacité de changer toutes choses en lui-même. Orgueilleux, le temps est arrivé que tu changes ton attitude. Il y a des sœurs qui se pensent, qui se croient tellement belles. Elles se croient tellement à la hauteur. Il y a des personnes qui se vantent même d'avoir des mauvaises habitudes. Moi, je suis impoli. Elle met même sur son tatouage. Moi, je suis impoli. My God. Païen que tu es. Le temps est arrivé que tu chantes. Et puis cette sœur, elle s'en fout. Elle part à l'église après avoir écouté la prédication. Elle revient. Elle dit, il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Je suis impoli, moi. Tu es impoli.
C'est vrai, tu es vraiment impoli. Des personnes qui disent, moi, si ce n'était pas seulement Jésus, j'allais te gifler, j'allais t'insulter. Orgueilleux que tu es. Change l'attitude que tu as. Un homme transformé par Jésus ne dit pas que moi, si seulement pas Jésus. Comment? Un homme transformé par Jésus, il ne dit pas que non, je regrette quand j'étais. Orgueilleux que tu es. Change l'attitude. Des personnes qui s'assoient et disent, moi, en tout cas moi, si c'était tellement moi, j'allais t'insulter, j'allais faire ceci. Je me vais dire, frères et sœurs, l'une des choses qui ne nous permettait pas, qui ne nous permet pas de voir la gloire de Dieu, c'est parce que nous développons l'attitude de l'enfer. Il y a des personnes qui dégagent l'odeur de l'enfer, même par leurs paroles. Une sœur, quand tu l'entends parler, les mensonges qui règnent dans son esprit. Une personne qui prétend être une personne, je ne sais pas. Oh non, moi, je m'en fous de qui tu es. Change l'attitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh my God. Amen. Non, dis d'abord Amen. Ouvre ton micro, dis Amen. Amen. Ouvre ton micro, dis Amen. Ouvre ton micro, dis Amen. Amen, Amen, Amen. Ouvre ton micro, dis Amen. Amen, 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 Amen. Rebobobo, shitelebraya. Roko paladia breke shitelebra. Mando robobobobobo, shitelebra. Alléluia. Excusez-moi, je suis en train de voir mes notes. Parce que je me suis rendu compte comme si j'étais déjà en dehors des notes. Il y a des personnes, frères et sœurs, qui prétendent être. En fait, Azar, j'aimerais dire ceci. Il y a des personnes qui sont plus saints que nous. Il y a des personnes qui sont plus saints que nous. Mais l'une des choses qui ne les permet pas d'évoluer dans la vie, c'est leur attitude. Des gens à l'église qui, à chaque fois, et ils sentent seulement l'honneur du péché. Cette sœur-là. Tu es devenu le détective des pécheurs. My God. Tu deviens le donneur des leçons. Alors que ce que tu fais en cachette, si Dieu publiait ça, toi-même, tu sais comment est-ce qu'on te nommera. Orgueilleux que tu es. Le temps est arrivé que tu changes un peu l'attitude. Frère, c'est sœur. Il y a des personnes qui donnent même à l'air pasteur. Oh non, pasteur, tu vois, moi, c'est ce que tu as fait là, je ne trouve pas ça. Ça. Non, toi, tu vas enseigner la sagesse à ton père. L'attitude du royaume, on reconnaît les pères spirituels. L'attitude du royaume, on reconnaît les autorités établies. L'attitude du royaume, on ne prend pas des décisions par sentiment. L'attitude du royaume, même si ton pasteur est fautif, même s'il a fait quelque chose de mal, tu les vois en cachette, tu dis non, papa, je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Tu ne viens pas devant tout le monde et tu publies la nudité de ton père. Yeah. Il y a des personnes qui se ramassent des malédictions comme l'arachide à cause de mauvaises attitudes. Église de Dieu, j'aimerais nous parler et dire ceci. Il y a des couples qui se sont séparés jusqu'à cause de l'attitude. On me raconte l'histoire d'un couple. Ils étaient au salon, il a vu la dame, je ne sais pas si c'est le monsieur qui voit, un rat qui part, je crois, de la cuisine dans la chambre. Il dit non, j'ai vu un rat qui est passé de la cuisine à la chambre. La femme dit non, les rats étaient sortis dans la cuisine pour aller dans la chambre. Le monsieur dit non, il est passé de la chambre pour aller à la cuisine. Ça a créé des problèmes dans la maison. Ils ont discuté. Et l'homme a tapé la main sur la table. Il a dit, je suis l'homme de la maison. Que rien, que personne ne parle encore. Moi, j'ai dit que j'ai vu les rats quitter la chambre pour aller à la cuisine. Plus personne ne parle. Après quelques minutes, la dame l'avait pris mal par son attitude. Elle fait... Tout ce que tu as dit, c'est bon, mais en vérité, moi, j'ai vu les rats. Oh my God, prophète, le micro. Non, activez le micro. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Yes. Donc, j'ai relaté l'histoire, je pense que vous m'avez entendu par le début, d'un couple
qui se séparaient juste à cause d'un rat qui quittait, je ne sais pas, la chambre ou le salon. Le Messie a dit, c'est fini. Pourquoi? Parce que la dame l'a mal pris. Le Messie a tout simplement dit, non, je suis l'homme de cette maison. À partir de maintenant que plus personne ne parle, moi j'ai vu les rats quitter la chambre pour aller dans la cuisine, que plus personne ne parle. Après quelques minutes, la dame dit, bon, papa, ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est vrai que tu es l'homme de la maison, mais moi j'ai vu les rats quitter la cuisine pour aller dans la chambre. Et c'est fâché. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma femme. Ils ont divorcé à cause d'un rat. L'attitude. L'attitude. Des parents qui ont rejeté leurs enfants à cause de l'attitude. Développe l'humilité. Sois humble, accepte les hommes. Ne pense pas que toi, tu es monsieur qui connaît tout. Tu es homme de Dieu dans ton ministère. Tu donnes jamais l'occasion aux autres. Non, toi, tu connais toute la théologie de la terre. Un jour, tu vas tomber dans la fosse et personne ne sera là pour te relever. Mon père me disait toujours, Mimchak, je sais que demain, tu seras leader. Lorsque tu es en train de monter, apprête les marchepieds. Sois en train de préparer les gens qui, lorsque tu tombes, que tu ne puisses pas te briser la nuque, que tu tombes entre ses mains. Il y a des personnes qui s'abîment avec tout le monde. Surtout des sœurs. Aujourd'hui, tu avais telle amie, tu t'es abîmé avec elle. Tu oublies qu'elle a des secrets d'État. Tu avais une autre amie, tu t'es abîmé avec elle. Tu oublies que tu as laissé aussi des secrets d'État. L'attitude peut t'exposer, mais peut aussi te cacher. L'humilité peut t'aider à apprendre plusieurs choses. Et l'orgueil peut t'aider à perdre plusieurs choses. Et j'en dis maintenant que lui croit ce que moi j'ai publié. L'une des choses qui nous permet à ce que notre vision de, puisse être globale, notre vision puisse transformer globalement, c'est le fait d'accepter la particularité, pas seulement ça, mais d'accepter aussi de demeurer comme tout le monde, tout en sachant ce qu'on appelle. Alléluia. Amen. Amen. Je sais que tu es fâché contre moi, mais tu peux dire amen quand même. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur si on est là? Si on est là, on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'aimerais dire à quelqu'un, tu as remarqué que tu fais des progrès. Mais tu montes, tu recules, tu montes, tu recules, tu montes, tu recules. Ta vie est en dents dessus. J'aimerais t'exhorter ce soir. Essaie de revenir en toi-même. Vois un peu le côté de ton attitude. Comment est-ce que tu réagis par rapport à certaines choses? Comment est-ce que tu vis certaines choses? Les mariages, ça va, ça ne va pas. L'école. Ça va, ça ne va pas. Je vous dis, frères et sœurs, et c'est très important pour votre vie, pour votre ministère, pour vos études, car dans ce royaume, vous n'avancez pas si votre attitude n'est pas l'attitude des champions, l'attitude du royaume. C'est capital et important, frères et sœurs. Le projet que tu as va aller de l'avant lorsque tu as l'attitude de quelqu'un qui a des pensées des rois, des pensées des grands. Écoutez-moi et écoutez-moi très bien. On ne t'empoisonne pas dans un coca que tu ne bois pas. On ne te donne pas du poison dans un coca que tu ne bois pas. Si toi, tu prends de l'eau,
On mettra du poison dans l'eau. On ne mettra pas dans un coca parce qu'on sait que le coca, tu ne bois pas. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui se pensent autosuffisants. Je ne peux rien apprendre des autres. Non. Change un peu d'attitude. Change un peu d'attitude. Dans le verset 25, la Bible dit: Or, il se leva des parts des disciples, des gens et des disciples avec des disputes avec des Juifs touchant la purification. Verset 26. Ils vinrent vers Jean et lui dirent: Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà. Vous remarquez, ils sont en train de parler de Jésus, mais la dispute qui s'est créée, ce n'est pas entre eux et Jésus. La dispute entre eux et les Juifs. Il y a des personnes qui cherchent à détruire la réputation des autres à cause des autres. En déformant l'histoire. Frères et sœurs, j'aimerais que tu retiens ça très bien. Retiens ça très bien. Une personne qui te cherche des problèmes contre ton père, c'est le sorcier de ta vie. Surtout ton père spirituel. Une personne qui te cherche des problèmes entre toi et ton père spirituel, c'est un sorcier. Et j'aimerais te dire, si tu détectes ce genre de personnes autour de toi, arrête cette amitié-là. Pourquoi? Parce que tu n'as qu'une seule vie. On ne blague pas avec la vie. Il y a des personnes qui ont des attitudes purement sataniques et démoniaques. Des personnes qui n'aiment pas l'avancement. Des personnes qui, tout ce qui se passe, c'est toujours mauvais. Le prophète Asaph est en train de faire des séminaires. Oh, comment je vais faire beaucoup de séminaires comme ça? Ton attitude est diabolique et satanique. Il y a des personnes qui doivent changer leur mentalité. Ta façon de voir les choses. Ta façon de traiter les autres. Il y a surtout des personnes qui, lorsqu'ils deviennent leaders, ils pensent qu'ils sont capables de tout faire. Je connais une sœur qui a perdu son fiancé juste à cause d'une réponse. Une réponse. Ils étaient très bien en couple. Un jour, le fiancé l'a dit, est-ce que tu peux m'aider tout simplement de prendre le gobelet qui est sur la table et me ramener ça ici? La sœur dit, tu ne m'as pas encore marié, tu m'envoies et quand tu vas me marier, je serai ton esclave. Le monsieur lui répond, je ne vais pas marier une esclave, je vais marier ma femme. Tu ne pourras pas être ma femme car tu n'as pas la soumission. L'attitude. Elle n'a pas dit ça avec un mauvais sens. Mais l'attitude a fait à ça que ce couple puisse se séparer. Je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer de m'arrêter ici avec l'attitude. Et demain, nous allons entrer maintenant dans le vif de notre enseignement. Et demain, nous allons parler du christocentrisme, d'être autour de Christ dans tout ce qui se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que trois personnes ouvrent leur micro et disent, je prends l'engagement de changer mon attitude. Je prends l'engagement de changer mon attitude. Frères et sœurs, tu n'arriveras pas à faire des exploits avec Dieu si tu ne cultives pas l'attitude du royaume. Ça fait pratiquement beaucoup de temps que je suis homme de Dieu, que je suis serviteur de Dieu. Pas trop beaucoup. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un avec des mauvaises attitudes réussir. Jamais. Mais j'ai aussi vu des personnes avec des mauvaises attitudes. La visitation de Dieu est venue vers eux. Ils ont changé des attitudes et aujourd'hui, ils sont splendides. Ils sont glorieux.
Pourquoi? Parce que l'attitude a la capacité de t'ouvrir les portes. L'attitude a aussi la capacité de te fermer les portes. Ma sœur, mon frère, change ton attitude. Change l'attitude. Il y a des personnes qui pour lui, il ne répond pas mal. Non, ce que j'ai dit, ce n'est pas mal. Comme j'ai parlé de nous, les Africains, est-ce que je peux venir puiser de l'eau chez vous? Oui, la pompe ici, on a mis sous pour ton père, non? Tu peux venir. De tous les Gabonais et les Congolais. Oh, est-ce que tu peux me donner une minute d'appel? Non, mon téléphone est devenu la cabine, non? Tu peux prendre. Oh, est-ce que tu as du sel? Non, parce que moi, je suis la femme de l'autre. Tu peux venir et prendre. L'attitude. Pourtant, tu te dis que non, c'est rien de mauvais, hein? J'amuse la galerie. Mais l'attitude. Est-ce que je me fais comprendre? Ma soeur, mon frère, change ton attitude. Si tu veux que Dieu puisse étendre ta vision, si tu veux que ta vision devienne globale, si tu veux que ta vision part loin, si tu veux que le Dieu des cieux puisse t'accorder le succès, si tu veux que ta vision puisse transformer le monde, change ton attitude et développe l'attitude du royaume. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la parole du Seigneur? On acclame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons faire une prière. Et c'est par là que je vais m'arrêter. Je vous ai dit que c'est le vendredi que je vais faire un service prophétique. Nous allons faire une petite prière. La prière que nous allons faire, tu vas juste demander à Dieu, dis, Seigneur, aide-moi à avoir l'attitude du royaume. Aide-moi à avoir l'attitude du royaume. Aide-moi à quitter dans mes habitudes, à mes attitudes de mon pays, de ma nation, de ma famille, de mon quartier. Aide-moi à avoir l'attitude du royaume. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es et commencer à prier? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Fais comme tu veux, sur ton trône, Saint-Esprit, donne-moi la détermination. Développer ton trône. Père, je prie au nom de Jésus pour mon frère et ma sœur.